Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation ménage. Donc on m'a dit que on m'a demandé comment je faisais mon ménage parce que ça avait l'air efficace. Donc je vous donne deux trois petites astuces. Alors pour commencer, pour moi, bon, vous aurez pas bien sûr en temps réel hein, parce que ça dure longtemps. Donc je vous explique au fur et à mesure ce que je fais. Donc pour commencer, s'il y a de la vaisselle, je fais la vaisselle, je nettoie mon lavabo et tout, et tout, et tout. Là, en l'occurrence, il n'y a plus rien, c'est bon. Ensuite, je fais mon linge. Donc, s'il y a une machine à étendre ou s'il y a du linge à ranger, pour moi, il est rangé. Donc, voilà, soit je range le linge pendu et je fais tourner une autre machine que je pendrai à la fin, mais là, j'ai plus de linge. Ensuite, je passe aux plaques, je nettoie. Donc, mes plaques, mon micro-ondes, mon four, le meuble. Ensuite, je passe à la table. Ensuite, je rassemble toutes les poubelles dans la grande poubelle de la cuisine. Parce que j'ai une poubelle dans chaque pièce. Dans la salle de bain, dans la cuisine, dans les chambres, dans le salon, dans les toilettes. Donc, je rassemble tout en tas dans une grande poubelle. Et à ce moment-là, je vais commencer à faire la poussière. Voilà, donc je prends mon plumeau. Je vous le montre. Voilà, donc c'est ça. C'est un plumeau suiveur. Et je vais faire la poussière dans tout l'appartement. Donc là, ça prend du temps parce que j'ai beaucoup de choses. Donc voilà, moi je passe comme ça. Quand je suis au niveau des toilettes pour faire la poussière, j'en profite pour les nettoyer. Donc, je mets du spray comme ceci, un peu partout. Et puis, je vais laisser un petit peu agir. Voilà. Je vais changer aussi la capsule parce qu'il n'y en a plus. Donc, je vais en mettre une nouvelle à la fin quand ce sera fini. Donc là je vais nettoyer. Quand le dedans est bien nettoyé avec la brosse, je prends une lingette et je viens désinfecter le couvercle. Je mets ensuite de la javel, je laisse agir et je place mon petit truc sur le côté. Et à ce moment-là, je continue la poussière. Quand la poussière est finie, je passe un coup de balayette sur mon canapé, voilà, pour enlever un petit peu les miettes que les enfants ou que nous auraient pu faire. Voilà. Voilà. Ensuite, je nettoie ma table basse et je passe le balai dans toute la maison. Donc avec ça, je nettoie la table basse. Je passe le balai parce que j'ai plus d'aspirateur, il est cassé. Donc c'est parti. Quand mon tas de saleté est ramassé, quand j'ai fini de balayer, je mets tout dans la poubelle et je sors la poubelle sur le palier. Comme ça ne me dérange pas pour faire les sols. Voilà, donc je vais aller faire mes sols. Et après les sols, je fais mes miroirs et puis j'allume une bougie. Alors j'utilise ça. Et de l'huile essentielle, quelques gouttes pour que ça sent encore meilleur. Voilà, et puis ça désinfecte en même temps. Et bien sûr, je vais ouvrir toutes les fenêtres. C'est dur à une. Voilà, donc mes sols sont faits, mes miroirs sont faits. J'allume mes bougies et après je mets le désinfectant d'air. Alors sur textile et rideau, j'applique du Febreze comme ça. Et en désinfectant d'air, c'est le... Voilà, ou alors il y a celui-ci ou le pur essentiel qui est bien, qui est dans ma chambre. Et comme ça a eu le temps de sécher, et ben on referme toutes les fenêtres au fur et à mesure qu'on passe dans les pièces en vaporisant de ça. On fait ensuite la salle de bain en dernier, la baignoire, parce qu'on vide le seau du ménage. Voilà.
Donc je vais passer un coup là et puis vider le seau de ménage et faire ma salle de bain. Voilà, enfin ma baignoire. Voilà, donc ma baignoire, le lavabo est fait. Je nettoie la vitre de mon aquarium et je leur donne à manger. J'ai nettoyé et détartré la cafetière. Et je vais changer aussi les sambons de ma maison. Tout ce qu'il y a à changer. Voilà, donc ceux-là, là. Ceux qui sont vides, ben j'en remets des nouveaux. Et voilà, tout est fait. Donc, des fois se rajoutent ben, les vitres. Des fois se rajoute aussi le changement des draps. Hein. On ne change pas ses draps tous les jours non plus. On lave pas les vitres tous les jours non plus. Donc, voilà mon organisation ménage. Et quelquefois, ben, y a ça qui se rajoute. Donc, le nettoyage des vitres. Le changement des draps, des petits, de moi et tout ça. Et puis voilà, il y a juste, voilà, c'est comme ça, mon organisation ménage. Ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, je vais mettre les poubelles à la cave et prendre ma douche. Bisous, ciao!